Coucou tout le monde. Regarde qui c'est qui est là. Bonjour maman. Oh, j'ai le soleil en pleine figure. Coucou Willy. Tu peux pas nous voir? Si. T'as le soleil? Oh bichette, elle a le soleil dans la tronche. Le soleil en pleine figure. Qu'est-ce qu'il y a maman? T'as vu ce que j'ai trouvé sur ce... Un gros rouleau de papier toilette. Ouais, un gros rouleau bleu. Je vous montre. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, mais en fait c'est maman qui l'a mis exprès ici. C'est quand on fait des gros caca, c'est ça? Oui aussi, ça peut servir. Non mais je vais t'expliquer, on va faire un petit challenge avec ce petit rouleau. Enfin, ce gros rouleau. Qu'est-ce que c'est le challenge? Explique-moi. Eh ben, je pense qu'on va... Tu connais les personnages qui ont beaucoup de papier autour d'eux? Beaucoup de papier autour d'eux. Des petites bandelettes, des tout bandelettes autour de leur corps. Non, je vois pas. Alors, comment ça s'appelle? Les mots... Les motus. Non. Les momies. Non, je vois pas. Les momies. Ah, les momies, oui, ouais. Oui, les momies, c'est... Oui. Ouais, on va essayer de te transformer en momie avec ce gros rouleau. On va voir si on va y arriver. Me transformer en momie? Oui, tout à fait. Ok, c'est le challenge, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc si vous y arrivez, vous gagnez. Si vous y arrivez pas, je gagne. Ouais, on va essayer de faire tenir tout ça avec un seul rouleau. Banco, je sais pas, t'es grand quand même, alors j'espère que j'en ai pris assez. Hein. On verra bien. Allez, bah allons-y. Allez, Ellie, on va commencer. Ellie, elle est comme de... Allez, papa, lance le générique. Allez, générique. Et nous revoici, alors bah ça y est, ça va démarrer. Bah oui. T'es content papa? Je vois, super, je suis super content. On m'avait pas prévenu, ok, allons-y. Eh bah si, je t'ai prévenu là, il y a deux secondes quoi. Deux secondes, juste avant le générique. Je suis très content, je rentre du boulot, on me dit tu vas être une momie. Allez, allez c'est parti les petits copains. C'est parti. Et nous revoici, alors ça y est, on a attaqué, on a réussi déjà à faire une première jambe, je vous montre. On voit le bout de ta chaussure. Va falloir boucher ça maman. Ouais. Donc voilà, ça se voit pas bien là, la différence, ton pantalon il est bleu à côté. Ah, bleu sur bleu. Mais bon, vous voyez, ça tient, hein? Ouais, c'est solide. Allez, c'est parti, on va faire la deuxième. Hein. Allez, tu vas m'aider mon chaton? Ellie, elle dort à moitié sur la... sur la chaise. Allez, c'est parti, je fais la deuxième. Et voilà, j'ai fini la deuxième jambe, tu peux bouger? Ouais, je suis une momie pisse. Je me recule, on va... Pisse la momie, pisse. Là, tu m'as bien serré, hein. Je suis bien. Tiens, coincée. Maman. C'est vrai? Oh, merci, mon. Oh non, elle est tombée. Tiens, maman. Fais voir. Oh, une jolie fleur de marguerite. T'es trop gentille. Bon, ça commence à ressembler un petit peu à une momie, moi, je trouve. T'es content d'être une momie? Oui, une demi-momie. T'es une momie gentille ou momie méchante? Parce que tu sais, souvent, elles sont pas top, les momies. Je te donne un indice. Ouais, t'as l'air gentille, on dirait une vache. Ou alors. Bon, allez. On va lancer le travail sur le premier bras, non, c'est ça? Premier bras, gauche, droit, comme tu veux. On va voir, on va essayer. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon. J'ai l'impression d'être un accidenté de la route. Oui, en direct, un plâtre, bichounette. Sur mon lit d'hôpital. On fait un petit coucou à tous ceux qui ont des petits bobos partout. J'essaye. On vous fait des gros bisous. Avec ça, c'est plus facile. J'espère que ça vous fera rire. Bon alors, la momie, comment ça se passe? Bah oui, tu vois. Tu vois pourquoi elles marchent comme ça, les momies? Parce qu'elles peuvent pas faire autrement, peuvent pas en fait. Plier les genoux, elles peuvent pas plier les coudes. Tout à fait. Commence à comprendre la vie de momie. C'est pas facile, la vie de momie. On va se mettre dans la peau d'une momie. En tout cas, moi, je trouve que tu te débrouilles bien. Hein. Ellie a disparu. Elle a complètement déserté les lieux. Elle a dit, oh, la momie, ça m'intéresse pas. Elle est partie. Elle voudra sûrement revenir quand ça sera tout fait, je pense. Oui. Allez, on fait la suite? C'est parti. Et voilà, deuxième bras de fait. Donc tu peux de moins en moins bouger, on c'est ça. Un robot, là. Ouais. Là, je suis complètement coincé. Ouais. Je peux pas fermer les genoux, je peux pas les plier surtout. Ah si, un peu. Voilà, on dirait que t'as une jupe quand même. Hein. T'es une momie en jupe. Les pharaons, ils avaient un peu des jupes comme ça. C'est vrai. Ah, je peux rien faire. Bon, moi, je propose qu'on fasse le torse. Même. Ouais. On va faire le torse et le cou. Allez, tu te débrouilles super bien, maman. Allez, je vous montre un peu de près, là. Ouais, non, c'est pas beau de près. Allez, on vous montre, on fait le torse. Et voilà, j'ai fait le torse, j'ai fait le cou. Ça commence à bien ressembler à une momie, je vous fais le tour. Moi, je vois rien, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai très chaud. Oui, il fait un peu 30 degrés aujourd'hui, on sait pas pourquoi, c'est l'été indien. Tic, 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 je fais le tour. Hop. Je suis coincé. Bon, bah maintenant, dites au revoir à ce joli visage, vous allez plus le voir. Joli visage, Je suis gentil, quoi. Au revoir. Allez. Au revoir. Je me transforme en momie tout de suite après. Je vais t'emballer le visage. Coucou, mon chien. À qui tu fais un câlin?
C'est qui ce truc là? Hein? Une momie. Une momie? Oh, ça y est! Ah, ça y est, il s'est complètement transformé. Il a des bandelettes de papier toilette qui... C'est des mouchoirs, parce que je suis une momie enrhumée. Achoum! Ah oui, c'est la saison, c'est la saison. Alors voilà à quoi je ressemble, petit copain, petite copine. Est-ce qu'on peut dire que maman a réussi son challenge? Oui, je pense. Alors, et en plus, il en reste encore un peu. Elle va nous attraper, tu crois, Ellie? Oh non, pars vite! Maman, il faut aller là! Pars vite! Par Amenophis, par Osiris, par numéro bis, je retourne dans mon sarcophage. J'ai super chaud. Ouais, et puis il fait 30 degrés. Allez, hop, dans le sarcophage. Comment il va faire pour monter dans le sarcophage? Allez, hop, hop. Qu'est-ce qu'il fait, Bobo? Comment tu attends? Allez, je retourne dans mon sarcophage pour environ 2-3 000 ans. T'as tout craqué mon œuvre, je pense. C'est très trop fort, tu tombais de l'autre côté. Je là, suis je te... pas dans mon sarcophage. Je te sens mal parti. T'es à moitié dans ton sarcophage. Au secours! Comme par exemple, tu tombais un peu. Non! Hein, si je te poussais un peu. Pas tombé. Ah non! Ah non! Hein, si je te poussais. Ah, non. Regardez, il tombe. Ça y est. Je suis dans mon sarcophage. Ça y est, il est arrivé. Tranquille, à la cool. Allez. Allez, bonne nuit, méchante momie. Ah non! Allez, dors, 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 dors. Ok. Ellie, tu vas la réveiller, la momie? Bon. Mais qui elle est où, Ellie? Je suis la momie. Oh là là! Oh l'échec! Tu t'es pas fait mal? Oui, mais t'es vieille, t'es une vieille momie. Je suis déjà tout emballé pour aller à l'hôpital. Emmenez-moi à l'hôpital. Maman! Ellie, elle flippe, elle croit qu'elle va se faire rattraper. Maman! Quoi, mon chat? Maman! Viens vite, mon chaton! Ça fait vrai, là? Ah oui, ça fait n'importe quoi. Ah maman, je vais vous manger. Bon, les petits copains, les petites copines. La momie qui danse. C'est bientôt Halloween, alors on vous a donné une idée de déguisement pas cher. Hein. Vous avez qu'à piquer les papiers de rouleau toilette de vos parents. Non, pas trop quand même. Faut leur demander l'autorisation avant. Puis vous pouvez vous faire un déguisement de momie. Oh, super momie qui danse super bien. N'importe quoi. Il fait quoi, papa? Il fait n'importe quoi, je te jure. Il fait du hip-hop? Non, là, tu fais de la disco, là. Je sais pas. C'est de la danse égyptienne. Ah, d'accord. Donc, les petits copains et petites copines, si vous avez du papier WC en trop, ne faites pas comme moi. Si, c'est trop rigolo pour Halloween, là. Non, parce que les parents, ils sont pas toujours d'accord. Ah, ben oui, mais faut leur demander. Donc, on espère que ça vous a plu, ça vous a pas fait trop peur. Non. On peut dire que maman a réussi son challenge. C'est elle clair. A été aidée d'un petit peu, d'Ellie. Oui, je sais pas si vous l'aurez vu sur la vidéo, elle m'a un petit pas peu beaucoup. Aidée. Ouais, je pense elle est pas, juste à côté de toi, regarde. Elle oui, elle est là, mon chat. Mon amour. Elle a eu un peu peur de la momie. Tu mets papa. Les doigts dans le nez, c'est dégoûtant, oh, mon chaton. Elle est un peu malade en ce moment, hein, mon chat. J'avais peur que tu me attrapes. Comme ça, là. Attrape la jambe de maman. Bon, on vous fait des gros bisous. Si vous avez aimé, bah, likez, partagez, commentez. Oui, laissez-nous des petits commentaires. Et dites-nous en quoi vous allez vous déguiser pour Halloween, si vous y avez déjà réfléchi. Car Halloween approche. C'est dans un mois, c'est ça? Bientôt, 31 bientôt. Octobre ou un truc comme ça. C'est bientôt quand ce serait toi, maquiller en citrouille. En citrouille. Oui, Ellie, elle aimerait bien se déguiser en citrouille, je pense, pour Halloween. On vous montrera tout ça cette année. On va choisir une idée de déguisement, hein. Mais en tout cas, on reste sur papa, mon challenge avec du papier. J'ai trop bien réussi. Et à bientôt, mon but.